Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, une petite séance de cardio renfort. On mélange du cardio pour améliorer sa condition physique et du renforcement musculaire pour sculpter son corps. Mais on commence tout de suite par un petit échauffement. Allez, c'est parti. Allez, jambes écartées, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Encore inspirer. Et relâchez. Ici, on marche sans décoller les pointes de pied. Allez, tranquille. On serre bien le ventre, on baisse ses épaules. Allez, on déhanche un peu plus le bassin. Allez, on enroule les épaules. Le buste. Allez, fesses en arrière, on serre le ventre, on remonte le buste et on y va, on descend. On ne décolle pas les pointes de pied et on remonte encore une fois. Et marchez. Allez, cette fois-ci, on décolle les pointes de pied, on fait aller ses bras. Et part en talon-fesse. Allez, bras devant, coude vers l'arrière. Pieds bien à plat au sol. Et on lève la jambe sur le côté. Lève, lève. Sans à-coude dans le dos. On reste ici, petit squat, on échauffe les articulations, genoux vers les pointes de pied, serrez le ventre et marchez. Allez, on fléchit les jambes et on tape devant, tape. Allez, on pose le talon, les genoux toujours fléchis. Et on va rester sur la jambe droite et tape à gauche. Tape sur le côté. Allez, on y va. Et reprends devant en alternance. Encore. Allez, on va rester sur la jambe gauche et tape devant. Avec la jambe droite, juste la jambe droite, on fait aller ses bras. Et ouvre sur le côté. Et... allez, jambes d'appui toujours fléchies. 4, 3, 2 et step touch. Jambes bien fléchies. Et part en talon fesses. Allez, on marche. On est prêt pour notre cardio renfort. Et on commence par le cardio, on court sur place. Allez, on y va, on y va. Tranquille. Et on va faire des kicks en deux temps. Lance la jambe devant. Soufflez bien. Allez, on monte bien le talon bien haut.
on va lever la jambe sur le côté et on balance à droite à gauche. Encore. Et cours sur place. Allez, encore un peu. Et ici, on ouvre les jambes, pieds légèrement écartés, et on y va, on descend en squat. Inspire, souffle, serre le ventre, serre les fesses. Allez, les fesses bien en arrière, comme si on voulait s'asseoir. Petit en bas. Allez, on reste. On vérifie sa position. Et on reprend. Grand. Et descend. Encore. 4. 3. 2. On fait 3 petits en bas. Et remonte. Encore. 3. 2. Remontez, souffle. Et on reprend, on descend. Et inspire, souffle. Allez, on serre les fesses. 4. 3. Les derniers. 2. 1. Et cours sur place. Allez, on reprend le cardio ici. Encore. Et kick en deux temps. Kick. Toujours le ventre serré. Jambes côté. On est bien droit, on serre le ventre. Et court. Allez, souffle bien. Le renfort ici, on pousse la jambe devant et on revient. Jambe devant, on alterne à chaque fois. On fait un grand pas et on revient. Inspire, souffle. Le buste bien droit. Ici, on va partir derrière avec la jambe droite. Derrière et reviens. On reste derrière, petit en bas. Genou bien au-dessus de la cheville. Et on va changer de jambe. Reviens par derrière. Jambe gauche. Petit en bas. Allez, buste bien droit. Et reviens, on repart en avant en alternance. Allez, souffle. On pousse sur la jambe. Dernier de chaque côté. On y va. Genou bien au-dessus de la cheville. Et cours sur place. Allez, on court, on court. Par un kick de temps. Boum, boum. Et encore.
la musique ne s'y prête pas. Encore. Soufflez bien. Et par jambe côté, hop. Soufflez bien et on va partir en planche après. Allez, on s'arrête, on part en planche. Allez, on y va, on reste en planche ici. Alors, vous pouvez poser les genoux, pas de problème. Mais attention, garde le dos bien droit. Une fois qu'on est bien, on touche en alternance les épaules. Sans tourner le bassin. Toujours le ventre serré, si vous voulez sur les genoux, c'est possible aussi. Et on reste en planche à nouveau. Allez, on ne bouge plus. On respire quand même. On serre les jambes. Et on va ouvrir la jambe droite sur le côté, sans tourner les fesses. Si vous êtes sur les genoux, vous levez le genou. Toujours le dos bien droit. On change de côté. Encore 4, 3, 2. On reste. Toujours ventre serré et on ramène les genoux à la poitrine. Encore 4, 3, 2. Dernier, on reste, on ramène les pieds et court. Allez, on récupère ici, même si on court, on détend ses épaules. Soufflez bien, kick en deux temps. Jambes côté et hop. Et cours sur place. Allez, encore, encore. Tranquille. Pas besoin de s'énerver. On fait aller ses bras. Allez, pars en step touch. Allez, soufflez bien. Jambes bien fléchies. On colle les coudes, on serre les poings. Et ici, on ramène les bras. On ramène les mains aux épaules. Allez, encore. Allez, on travaille un petit peu les bras. On laisse tranquille les jambes. Collez bien les coudes à la taille. Reste en bas, monte sur le côté. Encore. Remontez les épaules, genoux bien fléchis. Allez, on reste en bas, on pousse les bras vers l'arrière. Bras bien tendus, les doigts bien tendus aussi, bien serrés. Allez, un bras en haut, un bras en bas, on alterne.
creuse pas le dos. On reste les deux en bas et monte les deux bras. En deux temps. Attention et cours. Allez, tranquille, tranquille. Kick. J'aime bien ce mouvement. Ça me détend. Hop. Vous pourrez continuer toute la séance. Allez, jambes côté. Celui-là aussi, j'aime bien. Allez, on peut rajouter les bras si vous voulez. Allez, cours sur place. Allez, on marche. On ouvre bien les jambes. Et cette fois-ci, flexion à droite et à gauche. Mains sur les cuisses. Buste penché. Fesses en arrière. Allez, on va chercher loin. Le genou bien vers les orteils. Et on reste à droite. Petit à droite. Allez, les fesses bien en arrière. Allez, on y va. On reste ici et on va prendre ramener son pied et on va dégager à gauche. Hop. Allez, jambes bien d'appui, bien fléchies. Et on va partir de profil, on dégage derrière. On ramène le genou. On fait laisser bras, jambes d'appui toujours fléchies. On reste jambes derrière et monte. Allez, tranquille. On serre le ventre, on travaille les abdominaux en même temps pour garder l'équilibre. Et step touch. Allez, on ouvre à nouveau grand les jambes. Flexion droite et gauche. Allez, fesses en arrière. Allez, serrez le ventre. On ramène l'épaule vers le genou. On reste à gauche, petit à gauche. Allez, les fesses bien en arrière. On prend appui sur la jambe. Hop, on ramène et on dégage sur le côté. Allez, on va laisser bras. On part de profil, on dégage derrière. Le genou, ventre serré, 4, 3, 2, 1, on reste jambe derrière, on serre le ventre et on décolle, sans à-coups dans le dos, allez soufflez bien. Sur place. Allez, cours. C'est les derniers. Allez, kick en deux temps. Allez, on jette bien sa jambe. Et part sur le côté. Allez, dernière fois, on court. On monte un peu plus haut les talons.
Allez, encore, encore. Et marchez. Allez, marchez, marchez, dynamique. On monte bien les genoux. On respire bien. Toujours le ventre serré, on respire. Au niveau des côtes, baissez bien vos épaules. Inspirez. Et soufflez. Encore. On relâche les bras. Allez, ici, on inspire tout en marchant. Et on relâche. Allez, sans marcher, inspirez. Et relâchez. Allez, on va étirer un tout petit peu les jambes. Allez, comme là tout à l'heure, on ouvre bien ses jambes. On va faire des flexions à droite et à gauche, les deux mains sur les genoux. Tranquillement, on ramène bien l'épaule vers le genou, les fesses sont en arrière. Allez, on va rester à droite. On descend, on ramène les orteils vers soi. Si c'est trop difficile, vous pouvez décoller le talon. Allez, ramenez bien vos talons, vos orteils vers vous. On se déplace et on va aller de l'autre côté. Allez, on revient au centre. On met les pieds parallèles, les mains au sol, les genoux fléchis. On laisse tomber la tête. On regarde loin entre ses jambes. On peut tendre les jambes. Si on ne touche plus le sol, on rattrape ses jambes. Allez, laissez bien tomber le haut du buste. Relâchez le tout. Puis on fléchit. On rapproche un peu les pieds. On met les mains sur les genoux et on déroule tout doucement. On prend appui sur une jambe, on peut toujours se tenir à un mur. On étire la cuisse ici. Je me repositionne au milieu. Hop. Allez, rentrez bien le talon dans la fesse. On change de côté. On prend appui, on attrape son pied. Allez, baissez bien les épaules, redressez-vous surtout. Vous pouvez toujours vous tenir à un mur, à une chaise, comme vous voulez. Il faut bien étirer votre cuisse. La jambe d'appui, toujours légèrement fléchie. Allez, on relâche les deux pieds au sol. Toujours bien écartés. On inspire, on se grandit. On fléchit, on incline à droite. On regarde le plafond pour bien ouvrir la poitrine. Les coudes vers l'arrière. On revient au centre et on part de l'autre côté. On regarde bien le plafond toujours, les coudes vers l'arrière. On revient au centre et on relâche. Allez, on attrape ici à l'opposé sa hanche. On garde bien son bassin de face. On pivote le buste sur le côté. On change de côté. On regarde le bassin bien de face. On regarde loin au-dessus de son épaule. Et on revient. On attrape les deux mains dans le dos. On tend les bras. On sort la poitrine. On baisse les épaules. Et ici, on va décoller. Allez, on décolle les bras, toujours les épaules bien vers l'arrière. On pousse les bras aussi vers le bas. Soupe sur les genoux. Et relâchez, on part ici devant cette fois-ci. Et on monte les bras et on relâche. Allez, dernière fois, on inspire. On se grandit et relâchez le tout. Voilà, notre séance cardio-renfo est terminée. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve samedi avec un spécial
abdos fessiers, je crois, hein, mais très très intense, ça je le sais, j'ai bien transpiré, j'ai bien eu chaud. Donc on se retrouve samedi. En attendant, je vous embrasse très fort et à très vite.